Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Entre terre et mer, notre émission nous mène aujourd'hui dans la Manche. 500 000 habitants, l'un des départements les plus agricoles de France. 350 km de côte également, non loin d'Utah Beach, l'une des plages du débarquement. Nous irons cueillir le témoignage d'une religieuse qui cohabite avec d'autres sœurs de plusieurs nationalités dans une maison de la paix à Sainte-Mère-Église. Le diocèse de Coutances et Avranches s'engage aussi à fond dans l'évangélisation. Devenons des disciples missionnaires. Cette célèbre expression du pape François servira de base à un itinéraire de 3 ans pour tous les catholiques du diocèse. Les catéchistes, par exemple, avec qui nous avons chaussé les baskets le temps d'un pèlerinage. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Laurent Lebouche, évêque de Coutances et Avranches depuis 2013. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Monseigneur, je vous propose de commencer par cet itinéraire missionnaire qui est l'événement marquant pour votre diocèse cette année. Vous allez le lancer le 3 décembre prochain, je crois. Oui, le jour de l'Avent, premier dimanche de l'Avent. C'est un itinéraire fort qui va aider tous les catholiques, je l'espère, du diocèse à plonger à nouveau dans l'Évangile pour se convertir à la vie de disciple et devenir un peu plus rayonnant de l'Évangile dans toutes les communautés. C'est vraiment un très beau projet, on y croit beaucoup, et déjà les premiers sons qui nous arrivent, les premiers recueils, réceptions du projet sont très, très encourageantes. Et je vous propose d'écouter sans plus tarder votre vicaire général, le père Thierry Anquetil. Il nous dresse un rapide tableau des différentes phases de cet itinéraire missionnaire. Nous avons imaginé un itinéraire de 3 ans avec 3 années bien distinctes. La première année, il va s'agir pour les communautés de prendre le temps de s'asseoir dans des petites fraternités partout dans le diocèse et qui vont parcourir l'évangile de Saint-Marc avec comme fil conducteur comment Jésus dans l'évangile de Saint-Marc forme ses disciples. La deuxième année, chaque communauté chrétienne va être invité à mettre en œuvre un processus d'évangélisation qui invite les personnes à se mettre en chemin, non pas ponctuellement, mais en faisant tout un parcours. Et la troisième année va être comme un temps de discernement qu'on pourrait intituler « Devenons disciples missionnaires ». Voilà, dans une église renouvelée, dans son organisation, dans la répartition des missions, des ministères. Cette proposition est bien reçue. Il y a une attente du peuple chrétien qui sait bien, on ne va pas se cacher la face, nos communautés vieillissent, qu'il est difficile aujourd'hui des fois de se renouveler dans les différents services d'église. Et parfois, l'horizon semble un peu s'obscurcir. Et alors de proposer un itinéraire, un chemin qui met en perspective, alors ça dynamise des communautés, ça leur ouvre une perspective. Il s'agit à travers cela de redonner confiance, encourager les communautés chrétiennes et, quel que soit leur âge, leur force, de dire qu'elles peuvent rayonner de la joie de l'Évangile. Monseigneur, on entend votre vicaire général. Un beau message, oui. Voilà, un beau message. Et à la fois, il fait aussi un constat qui est difficile. Il parle d'horizons qui parfois s'obscurcit, de difficultés de se renouveler. Finalement, ces mots, ils font mal aujourd'hui, mais c'est important de les... Il faut les prendre en compte, en même temps, ne pas s'y enfermer, certainement pas. Le premier mot de l'itinéraire, tel que je l'ai exprimé, c'est aussi « encourager ». Et pour encourager, je pense qu'il faut se garder de 2 attitudes. La première, ce serait de mettre la barre tellement haute et donc d'ignorer un peu ces difficultés de nos communautés, qui fait que les gens se décourageraient encore davantage parce qu'ils n'y arriveront pas, c'est trop dur, vous nous demandez trop. Et puis la deuxième tentation, qui à mon avis est encore beaucoup plus forte, en tout cas dans notre monde rural, c'est la tentation de mettre la barre tellement bas que finalement, petit à petit, on laisse l'Église un peu végéter et passer à côté de sa mission essentielle, telle que le Christ la donne, qui est vraiment celle de porter l'Évangile, de faire croître, d'assurer la croissance de l'Évangile. Et moi qui ai la chance de circuler partout dans le diocèse, j'essaye d'aller le plus possible sur le terrain, Je remarque quand même que dans toutes les communautés, quelles qu'elles soient, même les plus fragiles, les plus vieillissantes, il y a des ressources toujours pour annoncer l'Évangile. Ce n'est pas parce qu'on n'a que des personnes âgées en face. Alors parfois, on me dit, mais oh, on n'a pas de jeunes, Monseigneur, comment voulez-vous qu'on fasse, on n'a pas de jeunes. Écoutez, rien ne vous empêche, malgré votre âge, de rayonner de l'Évangile là où vous êtes. Donc le but, c'est vraiment
de réveiller les baptisés et les communautés dans leur capacité à rayonner de l'Évangile grâce, alors ce qui suppose évidemment une conversion dans la foi, hein, parce que si, il faut y croire, il faut être son pasteur, hein. Évidemment, et il faut être convaincu que l'Esprit Saint nous accompagne, qu'il nous traverse, qu'il nous booste de ce côté-là, et que la parole de Dieu a vraiment une portée dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc ça va. Et pour cela, il faut du temps. Donc un an pour se mettre à l'école de Jésus en petite fraternité, hein, comme l'a dit Thierry. L'idée aussi, qui est peut-être un petit peu, enfin peut-être originale, enfin je sais pas, c'est de relier cette vie fraternelle à l'ensemble de la communauté, parce que des petites fraternités évangélisatrices. Nous en avons, heureusement, on ne va pas inventer cela. Il y en a dans beaucoup de paroisses, il y a beaucoup de petites fraternités qui se rassemblent, mais il n'est pas sûr qu'elles aient un impact suffisant sur l'ensemble de la communauté. Donc on va croiser comme deux itinéraires pour cette première année, un itinéraire personnel qui va être vécu dans les petites fraternités, et évidemment, comme je suis assez réaliste, j'imagine bien que tous les catholiques d'une paroisse ne vont pas se retrouver en fraternité. L'idée, c'est qu'il y a quand même une masse critique de ces baptisés qui s'y engagent de façon à peser sur l'ensemble de la communauté, à participer à sa transformation pour qu'elle soit davantage rayonnante. Et pour ça, on va mettre en place un itinéraire de type paroissial, en communauté paroissiale. J'entends cette expression intéressante, une masse critique, qu'est-ce que voilà, ça veut dire ? Masse critique, c'est avoir suffisamment de poids, de référence ensemble, d'énergie ensemble, pour que toute la communauté finisse par bouger grâce à ces chrétiens qui sont peut-être plus motivés, mais dans la douceur, vous savez, en Normandie, on n'aime pas beaucoup la brutalité et la violence, donc tout ça va se faire dans la douceur de l'Évangile, mais avec quand même la détermination aussi de l'Évangile. Vous dites qu'il faut mettre ni la barre trop haute, ni la barre trop basse. Oui, j'insiste. Est-ce que, là-dessus, selon vous, l'Église a peut-être manqué d'ambition ces dernières années, justement, sur les objectifs à atteindre, entre guillemets ? Alors, je ne sais pas s'il faut parler d'objectifs, mais je pense que, de fait, il y a quand même le risque dans les paroisses un peu rurales, d'une forme de désespérance, hein, de spirale, du négatif qui s'installe, et puis d'ailleurs qu'on peut comprendre, hein, parce que Mais je pense que parfois, cette vision négative est quand même un peu réaliste aussi. Elle oublie quand même, elle tend à masquer un peu l'énergie qui nous est donnée par l'Évangile, par la foi, et nos capacités réelles à vivre et annoncer l'Évangile, à le faire croître dans le monde d'aujourd'hui. Même si c'est difficile, moi je pense que le message passe, hein, quand j'en annonce aux gens, ils comprennent cela. Je cite encore le père Anquetil qui parle d'une église appelée à se renouveler dans son organisation, dans la répartition des missions et des ministères. Est-ce que finalement on se dirige vers une espèce de mini-révolution ou est-ce qu'il va y avoir un remodelage de la façon dont l'église fonctionne aujourd'hui ? Pour vous dire franchement, je ne sais pas trop où on va aller. Ça, ce sera la troisième année. Parce qu'il y a la première année, on se met à l'école de l'Évangile. La deuxième année, chaque paroisse va essayer d'imaginer des processus d'évangélisation. Et c'est une fois qu'on aura fait ça qu'on va essayer de repenser l'organisation de notre Église. Évidemment, le terrain nous presse. Il n'y a pas un diocèse en France qui n'est pas concerné, hein, face au manque de prêtres, face à nos pauvretés. Mais je crois qu'il y aurait danger à se dire à prendre comme point de départ cela. C'est-à-dire, on démarre, on voit nos fragilités, nos pauvretés, puis on essaye de s'organiser autrement en fonction de cela. Je pense que ce n'est pas très stimulant. Par contre, si on prend la démarche inverse, c'est-à-dire on se rappelle, eh bien, nous avons vocation à être signe d'Évangile. Voilà, ça nous est donné, et nous avons des possibilités. Comment allons-nous honorer cette mission avec, dans nos pauvretés ? Vous voyez, c'est simplement un ordre chronologique différent, vous allez me dire. Et pourtant, je pense que ça change totalement le regard. C'est pourquoi les deux années qui précèdent sont si importantes, et que c'est fort un peu de cette espèce d'expérimentation nouvelle, hein, de forme d'annonce de l'Évangile, que nous pourrons organiser d'une façon plus pertinente l'Église. Et puis il y a bien sûr ces processus d'évangélisation que vous souhaitez mettre en œuvre, qu'est-ce que c'est ? Qui ne sont pas si faciles à comprendre, parce que des actes d'évangélisation, l'Église en pose, et les baptisés en posent, fort heureusement. Une liturgie bien conduite, priante, invite à la découverte de l'Évangile, la rencontre du Christ, la rencontre, le travail de la solidarité, est un acte d'évangélisation, tout est évangélisation. Mais ce dont nous n'avons peut-être pas suffisamment perçu, c'est de penser en termes de processus. Alors je prends souvent comme exemple, j'étais invité l'autre jour dans une petite paroisse rurale, j'aime bien prendre l'exemple du monde rural parce qu'on l'oublie et je pense qu'il y a quand même toute une vitalité là. Je rencontre l'EAP, l'équipe d'animation paroissiale, à la demande du curé, avec le curé, on fait le point, je leur dis mais quels sont vos points faibles ? Bon, ils m'en citent quelques-uns, mais
Je ne veux pas trop m'apesantir sur les points faibles, parce que ça finit toujours par s'effondrer, il vaut mieux s'appuyer sur les points solides. Et ils me disent, on a deux points forts, la qualité de notre vie liturgique, le dimanche, un bon organisme, bonne chorale, c'est priant, c'est vivant. Et puis, la préparation des obsèques, on a des retours de famille très, très heureuses, hein, de la façon dont elles ont été accueillies, la façon dont a été célébrées les funérailles de leurs proches. Voilà deux actes d'évangélisation. Est-ce que ça fait processus? Peut-être pas. Et en les entendant, je me disais, mais si, imaginons que cette paroisse décide de faire un processus à partir de la question des funérailles. Elle pourrait imaginer que non seulement elle prépare et célèbre les funérailles, mais que deux ou trois personnes de cette communauté prennent le temps de visiter de façon assez régulière ces familles en deuil dont on a perçu qu'il y avait quand même là une première étape. Imaginons que, chemin faisant, on propose à ces familles un petit temps de rencontre autour d'une page d'évangile. Imaginons qu'en même temps, toute la paroisse soit alertée, notamment dans sa liturgie, pour que les chrétiens et les catholiques manifestent plus de sollicitude et de proximité vis-à-vis de ces gens qui pourraient venir à la messe le dimanche. Et bien cela, vous voyez, je pense que c'est de nature à faire processus. C'est beaucoup plus riche, même si ces actes d'évangélisation ponctuels sont nécessaires, mais ça inscrit un parcours dans le temps, dans l'histoire, et le pape François nous encourage vivement à situer l'évangélisation dans une démarche progressive, dans le temps. Il lui-même parle de processus, le mot c'est lui qui l'a utilisé. Dans le diocèse, les catéchistes sont bien sûr en première ligne de l'itinéraire missionnaire, ou parlons plutôt des catéchètes, un terme qui fait référence aux personnes qui catéchisaient les chrétiens de tous âges dans les églises des premiers temps. Eux aussi sont appelés à devenir des disciples missionnaires. Et notre journaliste Alexei Vozniuk a fait un bout de chemin avec eux le temps d'un pèlerinage non loin d'Utabitch, l'une des fameuses plages du débarquement. On regarde son reportage réalisé avec la contribution de Marine Le Boulanger. Du mémorial de Utabitch, en Normandie, tous les catéchistes du diocèse de Coutances et Avranches se rassemblent pour partir en pèlerinage. Utabitch, ce nom de code du débarquement de l'infanterie américaine de 1944, est désormais un symbole d'espérance pour ces artisans de paix. Mon espérance et mon soutien, je suis catéchiste, on est en route avec le Seigneur pour toute l'année et puis toute la vie. Je suis ici parce que j'ai une mission au sein de l'Église au niveau de la responsabilité diocésaine des aumôneries d'enseignement public. Et je trouve important d'avoir une marche comme aujourd'hui pour aller à la rencontre des animateurs qui, dans les paroisses, font un travail auprès des enfants d'évangélisation. Ils ont décidé de mettre en œuvre, sur son propre exemple, l'appel du pape François à devenir des disciples missionnaires. Il faut nous-mêmes faire l'expérience de cette marche de disciples avec d'autres et avec le Christ pour inviter les jeunes à leur tour à être disciples. Mais aussi pour qu'il y ait une dimension d'église et que ce ne soit pas chacun qui annonce dans son coin, mais qu'on puisse se retrouver tous ensemble de diocèse de Coutances pour sentir qu'on est envoyé en église et qu'on a aussi nos frères et sœurs qui font cette même tâche dans le diocèse. Le pèlerinage et la prière les réunissent tous devant un enjeu important. Il s'agit de l'avenir du diocèse et de toute l'Église, la catéchèse des jeunes. Les jeunes sont les chrétiens de demain, sont ceux qui auront des enfants, ceux qui feront éventuellement le choix plus tard aussi de les accompagner. Les enfants qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, à quel moment la recevront-ils? Plus on a d'occasion de rencontrer la parole de Dieu dans sa vie, et notamment pendant la jeunesse, plus on a l'occasion d'en garder quelque chose et de le retirer et de le développer ensuite, tout au long de sa vie. Le pèlerinage continue par une messe en l'église de Sainte-Marie-du-Mont, présidée par Monseigneur Laurent Le Bouge. La célébration se révèle être symbolique. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Jérôme. Disons qu'on n'a pas choisi exprès aujourd'hui, mais c'est vrai que ça tombe bien, puisque Saint-Jérôme, c'est celui qui a permis que la Bible soit divulguée beaucoup plus largement en la traduisant en latin. Divulguer l'évangile aux jeunes, promouvoir la paix, c'est le but de la catéchèse aujourd'hui. On doit montrer que les chrétiens, les catholiques sont unis et réagissent après beaucoup de choses, mais paisiblement, justement, avec cette paix qui est intérieure. Il n'y a que comme ça qu'on sauvera le monde. Cette mission est confiée à tous les catéchistes de bonne volonté. Chers catéchistes, ce mystère de foi, d'espérance et de charité, vous êtes chargés de l'annoncer à tous ceux et celles qui vous sont confiés, à tous ceux et celles que vous voulez rejoindre. Notre monde a besoin de voir des hommes et des femmes profondément religieux.
qui témoignent à cause de leur foi d'un grand courage, dans l'engagement pour la justice et la paix, le pardon et la réconciliation. Il a besoin de voir que la formidable énergie spirituelle, que la confiance en la présence du Seigneur au milieu des hommes, a fait vivre la religion, transcende les hommes et les femmes pour le meilleur de l'humanité. Monseigneur, on voit dans ce beau reportage cette dimension de la rencontre, l'importance de vivre cette démarche en Église. Mais concrètement, dans la vie réelle des communautés, cette rencontre, est-ce qu'elle est difficile ? C'est variable selon les communautés, hein. Il faut toujours y travailler, elle n'est pas forcément spontanée, hein. Les gens n'ont pas forcément goût à se rencontrer comme ça. Alors je constate quand même que se multiplient, hein, des initiatives, avant la messe, après la messe le dimanche, des repas partagés, enfin, on insiste beaucoup dans le diocèse pour que ces temps de convivialité soient proposés. Je pense que la prière et la convivialité sont les deux bases un peu qui permettent de discerner un petit peu la vie de l'Évangile. Voilà, donc il y a des progrès, je constate vraiment que notre Église, et je pense que c'est un peu général en France, hein, est plutôt dans le progrès, on n'est plus à l'heure des divisions, on a envie de se rapprocher, entre les générations, il y a de belles initiatives. Je pense à un exemple où ils ont eu l'idée ils portent vraiment l'intergénérationnel, c'est une paroisse encore rurale, excusez-moi de citer surtout des paroisses rurales, mais tout simple, c'est-à-dire qu'ils ont convoqué, enfin ils ont invité les grands-mères et les grands-pères à se retrouver avec une condition, c'est que chacun soit accompagné de deux enfants. Des petits-enfants, pas forcément les leurs, mais alors il y en a qui sont venus avec des petits-enfants du quartier, etc. Et je trouve que ce genre d'initiative, c'était très beau, très belle rencontre. C'est un processus intéressant. Oui, je trouve ça magnifique. Et donc de nous décloisonner, d'apprendre à nous rencontrer en vérité, parce qu'on a tous à partager et à recevoir quelque chose de riche de celui qui est à côté de nous. Voilà, donc je pense que cette culture de la rencontre, et là aussi le pape met beaucoup ça en avant, quelque chose qui est en train de gagner, heureusement, nos communautés. Comment on fait malgré tout avec des communautés, des paroisses, parfois des familles qui sont divisées depuis des générations ? C'est aussi une réalité. Eh bien, on ne cesse pas de prêcher et d'inviter à la réconciliation, mais pour cela, il faut aussi que le cœur de l'homme s'y prépare, hein, et on ne peut pas faire le travail à la place des gens, ça c'est clair. Hein. Mais bon, je pense quand même que l'Église est reconnue comme un lieu authentique de rencontre, un médiateur de paix. Hein. Je pourrais vous citer plusieurs exemples, hein, mais vraiment où l'Église a permis des rencontres de personnes qui n'auraient pas eu idée, enfin qui n'étaient pas dans la capacité, trop de méfiance, il fallait une autre institution pour les convier. Je pense au monde agricole, par exemple, hein, où on a, de façon très simple, modeste, hein, tout ça reste très, très humble, où l'Église a permis à des personnes situées très différemment, professionnellement, mais aussi dans la façon de concevoir le métier, etc., de se parler. Voilà, et il me disait, mais finalement, Père Évêque, vous êtes capable de faire ça, ce que nous ne pouvons plus faire à certains moments. Voilà, donc quand l'Église permet cette rencontre entre les hommes, rencontre constructive, positive, je crois qu'elle sert à l'humanité et participe au signe de Jésus. Je rebondis sur ce que vous dites, vous parlez du monde agricole. Oui. Il y a une statistique qui est effrayante, qui est celle du taux de suicide, oui, dans la Manche. C'est, oui, le deuxième département le plus touché, oui, en France. Mmh. Vous, quel regard vous portez sur ces chiffres ? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous, et comme homme et comme religieux ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? En plus, c'est particulièrement le Sud-Manche et la population agricole est beaucoup plus concernée. Donc c'est encore plus aggravant pour elle. C'était tabou pendant très longtemps. Personne ne voulait parler des suicides. Donc la réalité a été cachée, niée pendant longtemps. Aujourd'hui, on ne s'en cache plus, et je trouve que c'est quand même un progrès, au point que même les pouvoirs publics s'en préoccupent, hein, et qu'il y a aujourd'hui des rencontres avec différentes associations d'entraide, de solidarité, et l'Église y participe, hein, pour essayer d'abord de repérer davantage, parce que c'est avant qu'il faut intervenir, évidemment, de vous repérer les personnes. Vous encouragez aux fidèles à... Alors, on a eu toute une année encourageant les catholiques à se rapprocher des agriculteurs, visitant les exploitations, faisant des rencontres, etc. On a même eu un dimanche dédié pour le monde agricole. C'est très modeste aussi, là on voit quelques... Mais je sais qu'on a publié aussi un document
qui, je crois, a été bien fait, a été apprécié. Et, alors, les gens sont parfois surpris, mais pourquoi l'Église s'intéresse à nous ? Je lui dis, mais pourquoi, qu'est-ce que l'évêque vient faire là ? Le premier réflexe, c'est la surprise, et ensuite une grande satisfaction, une grande joie, parce que ce dont il s'ouvre le plus, c'est la reconnaissance humaine, tout simplement. Il y a une telle dévalorisation du métier, parfois, l'impression d'être un peu les rejetés de la société d'aujourd'hui, qui fait qu'on s'installe dans une grande dépression, des difficultés réelles, pas pour tous, mais pour certains d'entre eux. Voilà, donc on s'enfonce parce que puis l'agriculteur n'est pas un grand bavard, c'est par ce qu'il fait qu'il se fait reconnaître. Et quand ce qu'il fait est en crise, ça devient très difficile. Alors je pense aussi, il y a les agriculteurs, mais je pense aussi aux familles, aux épouses. Donc on a le projet aussi de favoriser des temps de rencontre pour les épouses agriculteurs, hein, qui portent beaucoup aussi. Monseigneur, vous voyez un lien entre la foi qui s'estompe dans les foyers et cette désespérance qui peut mener parfois jusqu'au suicide ? C'est une question très compliquée que vous posez, parce qu'il y a des... Parmi ces personnes qui se suicident, il arrive que ce soit des croyants et des croyants authentiques. Je n'ai pas à juger de cela, hein, parce que la maladie s'installe et elle emporte tout. Cela dit, je pense que notre société est un peu malade de son rapport à la souffrance et la frustration, enfin notamment la souffrance, et que le christianisme avait un message qui... quelques jours, je participais à un rassemblement des personnes handicapées sur le diocèse. Et vraiment, je leur disais que vous avez un message unique, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez transmettre ce message-là. Si c'est moi qui le dis, ça n'a pas de sens. Mais que malgré la dureté de votre souffrance, la capacité à poursuivre l'espérance dans l'amour et à témoigner de cette joie-là, c'est quelque chose d'extrêmement précieux aujourd'hui dans notre monde qui n'a plus les ressources suffisantes pour affronter ses souffrances. Quoi. Et je pense que, de fait, là, le christianisme avait un message unique à proposer. Et quand ce sont les personnes elles-mêmes en précarité, en difficulté, en souffrance qui s'expriment, c'est quelque chose de très fort et ça vaut tous nos témoignages. Merci, Monseigneur, pour ces quelques mots. Et nous avions laissé nos catéchèses à Utah Beach. C'est à quelques kilomètres de là que nous retrouvons une drôle de maison, la Maison de la Paix. Nous en avions déjà parlé sur notre antenne. Des sœurs de différentes nationalités et communautés y cohabitent à Sainte-Mère-Église. Le symbole est grand puisque cette petite ville de 2500 habitants est la première à avoir été libérée de l'occupant nazi par les armées alliées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose d'écouter sœur Anne-Françoise. Dans cette petite commune de 1600 habitants, il y a plus de 500 000 visiteurs qui passent chaque année de tous les pays du monde et en particulier beaucoup d'Américains. Donc là, ce qui justifie un petit peu la présence d'une communauté religieuse ici, c'est de se dire comment faire de ce lieu qui est un lieu mémoire de la guerre et des événements de la libération, un lieu qui traduise la construction de la paix. Monseigneur Lalanne, à l'époque, était l'évêque du diocèse en 2012. C'est lui qui a eu cette intuition de vouloir cette présence. Dans la communauté, nous sommes différentes, nous sommes de 4 congrégations différentes, nous sommes de nationalités différentes, nous essayons de vivre ensemble et de témoigner que ce vivre ensemble est possible. C'est pas facile, il faut être réaliste, mais c'est possible. Et que la symbolique de ça, c'est de se dire, si on pouvait tous un peu vivre en frère, ce serait tellement plus simple. Et si on pouvait faire tomber aussi toutes ces épines de guerre, de rancune, de jalousie et tout ça qui font tant de mal au monde. Cette maison de la paix, elle existe non seulement localement, mais elle existe aussi avec un rayonnement par tous ceux qui passent dans cette maison et qui viennent, c'est vrai, parfois du monde entier. Monseigneur, qu'est-ce que ce genre de petite communauté d'humbles sœurs dit à ce monde troublé ? Eh bien, elle dit d'abord que la relation est possible et que, en plus... Ce qui me frappe dans la Maison de la Paix, c'est qu'au début, il y avait une grande dimension internationale. C'était ça qui nous faisait rêver, hein, que tous les Américains, les Allemands qui passent, ils en passent énormément. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est très impressionnant. Mais on s'aperçoit maintenant que cette dimension, ce témoignage international, il exige des gens du coin, les gens qui habitent là, hein, de changer aussi leur rapport. Et là, il y a beaucoup à faire, parce que même dans les terres, vous savez, qui ont subi la violence épouvantable de la guerre, il y a encore des traces de violence, hein, des traces de séparation, d'incompréhension, il y a des clans qui s'installent. Et quand je vois le rayonnement de cette petite communauté, pas simplement dans l'église, mais à l'extérieur de l'église, comment les communes s'intéressent à ce qui se vit là, le musée à côté est très intéressé, etc. Petit à petit, il y a tout un maillage, tout un tissu qui est en train de se reconstituer.
Et je trouve que là, il y a vraiment un beau message de paix. Alors, il y a aussi beaucoup de jeunes qui passent de plus en plus. On a des projets d'extension avec une grange aménagée qui va être très belle, je crois, hein, parce que ce travail d'éducation de la paix, il est très, très important aujourd'hui. Je pense que les religions, en plus, qui sont soupçonnées toujours, et peut-être encore plus gravement aujourd'hui, d'être plus facteurs de désordre, de troubles et de violence, nous avons à prouver, hein, par l'expérience, que nous sommes des artisans de paix, et ça, c'est ce genre de communauté, c'est par la vie concrète. Hein. La fraternité de tous les jours, c'est autre chose que la fraternité d'un moment. En quelques mots, pour conclure cette émission, quel impact vous espérez que cette petite communauté, cette maison de la paix, puisse aussi avoir sur les communautés de votre diocèse, sur les paroisses, l'organisation, disons, traditionnelle de l'Église? Je parlais de processus d'évangélisation. Il me semble que là, la paroisse de Sainte-Mère, avec cette communauté, a en main les clés d'un processus d'évangélisation, hein, qui, à partir d'une communauté rayonnante, à partir de temps de rencontres qui vont s'élargir, et peut-être d'une thématique qui peut se dérouler dans le temps, hein, par la paix est quand même un formidable vecteur de l'Évangile. Donc je trouve que là, il y a un vrai processus, et bon, il faudra voir comment chaque paroisse va essayer d'imaginer des processus différents. Donc, le fait que dans cette maison, je pense que quand on rentre dans cette maison, on n'en sort pas indifférent, et qu'on se sent concerné de près à vivre en disciple missionnaire. Donc ça participe pleinement au témoignage de notre Église diocésaine. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation. Et puis voilà, merci à tous pour votre fidélité. Devenons des disciples missionnaires. Retenez bien ce leitmotiv. Il vous conduira dans le diocèse de Coutances et Avranches pendant 3 ans jusqu'à la Pentecôte 2020. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter le site internet du diocèse www.coutances.catholique.fr et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site de KTO et la partager tout autour de vous. À la semaine prochaine, au revoir.